Bon, ben voilà. Donc j'ai réussi à former la boîte hexagonale. Il n'y a plus que les côtés à coller. Sinon, reste, c'est collé. En colimaçon. Donc, on va finir ça. Avec un peu de courage. Un petit peu de courage quand même. Donc, je vais vous baisser si ça, ça veut bien tenir sur mes mains. Donc, on va venir coller, en coller l'intérieur. Si ça veut bien. Ça y est. On en colle comme il faut et on appuie bien que ça soit bien dans l'angle et tant pis si on en a sur les doigts, c'est pas grave, on fait ça sur les chaque intérieur. Bien dans l'angle. Il faut appuyer. Une fois qu'on est sûr que c'est bien collé, on passe à l'autre. On passe à l'autre. Ben, c'est le dernier. Une fois qu'on est sûr que c'est bien collé, on va passer aux extérieurs. Je reprends dans le sens inverse.
Je veux vous dire que quand ma colle colle, eh ben ça tient. Je rappelle que c'est un mélange de deux colles. La Patex et l'autre qui est une colle à bois à prise rapide. Donc j'ai pas besoin d'attendre 107 ans. Une fois que je sens que c'est collé, c'est collé. Dernière. Essayer tout de suite la colle. La bouger et j'ai vu. Il y a quelques petits coins à enlever. Donc normalement, après on va enlever ça. La boîte devrait passer. Difficile. Pas dans le bon sens. Ouais, encore difficile. Tissuya, enlever. Elle rentre, mais bon, il faut encore la travailler, mais elle est impeccable. On va encore travailler le carton, mais elle ferme. Mais elle ferme. Donc, vous voyez, elle est nickel en fin de compte. Vous voyez encore à la travailler. Parce que le carton est très dur et la boîte est souple.
Voilà, bon. Ce que je vais faire maintenant, en regardant entre les genoux, c'est de poser les strass pour faire la fermeture. Enfin, la fermeture ou l'ouverture, comme vous voulez. Attendre que ça prenne. Voilà. Ça donne ceci. Donc là maintenant, ce que je peux faire, c'est vérifier la fermeture. Par lacet. Donc c'est pas mal. Et voilà. La boîte est finie. Donc, ça, c'est bon. On va la laisser sécher tranquillement. Et je vous remonte sur moi. Voilà. Contente d'avoir fini, mais alors fatiguée comme tout. Une grosse fatigue. Mais bon, le résultat, mais il est là. Aller au maximum. Donc voilà. Je peux pas faire mieux. Hein. Il y a à peine 2 jours. De toute façon, c'est un album photo, donc il y aura une photo à l'intérieur de la boîte. Donc, voilà. Satisfaisant, il manque plus que la boussole pour mettre au-dessus.
c'est fini. Après la boussole va faire du poids. Ça va fermer encore plus la boîte. Mais là, c'est le carton qui doit travailler. Je peux encore serrer. Serré. Je vous montre, c'est que ça tient. Voilà, derrière, elle est bien calée. En fait, il y a un petit décalage parce que c'est le même format que le dessus. Et donc, ça a du mal à se faire. C'est une belle boîte. Franchement, c'est une des plus belles boîtes, et puis plus costaud aussi que j'ai faite. Si je l'ai pas faite avec amour, je comprends pas. Si ça lui plaît pas, je vous paye des prunes. Franchement, très belle. L'épaule de Titine qui vole. Bon, allez, je vous dis au revoir, à plus, bisous.